Faites-le de toute votre pensée. Even if you have nothing to praise God for, même si vous n'avez pas de raison pour louer Dieu, the fact that you are alive, le fait que vous soyez encore en vie, you can talk, et que vous pouvez parler, you can stand, que vous pouvez vous tenir debout, you can move, que vous pouvez vous déplacer, it's enough, et ça suffit to praise him tonight, pour lui, le louer ce soir. Oh, come. Let us adore. Venez et adorons-le. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore. CEO, you are the God.
montagne, signe toi en montagne. Encore une fois. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Nous célébrons ton nom. With a heart full of praise. Avec des cœurs remplis de louanges. He exalted the Lord. Sois exalté de Dieu notre Dieu. Oh,
Oh,
Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. All eyes closed, please. Que les, tous les yeux soient fermés, s'il vous plaît. Something is happening on your behalf. Il y a quelque chose qui se passe en votre faveur. The heavens is fighting on your behalf. Le ciel combat à votre faveur. Angels are fighting on your behalf. Les anges combattent en votre faveur. The King of Glory is fighting on your behalf. Le roi de gloire combat à votre faveur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Aha. Healing is taking place. Il y a la guérison qui prend lieu. Deliverance is taking place. Et il y a aussi la délivrance qui se passe. Yokes are being destroyed. Les liens sont brisés. Sicknesses are being chased out. Et les maladies qui sont en train de fuir. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Rasi kantari boko fotoshita. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Sing it solemnly. Hallelujah. 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 Say, Jehovah. Tu es plus que ce que les gens disent. Jehovah, tu es plus que ce que les you gens disent. You are more than what people say. Sing it again, sing it again, sing it again. Heavenly Father, we thank you. Père Céleste, nous te remercions. We appreciate your goodness in our lives. Nous apprécions tes bons bienfaits dans nos vies. Your word says, it is a living. La Bible déclare que c'est ceux qui sont vivants. It is a living. Et que ceux qui sont vivants. That will praise you. Qui te louent. As we are doing today. Comme nous le faisons aujourd'hui.
We thank you because we are not in the mortuary. Nous te remercions parce que nous ne sommes pas à la morgue. But we are in the sanctuary. Mais nous sommes dans ton sanctuaire. It is not by power. Ce n'est pas ni par la force. It is not by skill. Et ce n'est pas par notre connaissance. It is not the brain power. Ce n'est pas par la puissance du cerveau. But by your mercy. Mais par ta miséricorde. We thank you. Nous te remercions. We bless you. Nous te bénissons. We lift you high. Nous t'élevons en dignité. We exalt you. Et nous exaltons ton nom. Father, we magnify you. Père, nous te magnifions. Because you are worthy to receive. Car tu es digne de recevoir. Our praises tonight. Nos louanges ce soir. Oh Lord God Almighty. Oh Dieu Tout-Puissant. You are the one. Tu es celui. That ordained this day. Qui a ordonné ce jour. That we should offer the sacrifice of praise unto you. Pour que nous puissions venir t'offrir des actions de grâce. It is not man that called this meeting. Ce n'est pas un homme qui a organisé cette réunion. You are the one that called this meeting. Mais c'est toi qui a organisé cette réunion. And anytime you called a meeting like this. Et chaque fois que tu convoques une réunion comme celle-ci. It is for a purpose. C'est pour un but. We know, oh Lord. Nous le savons, Seigneur. That you are ready to demonstrate. Que tu es prêt à démontrer. Your wonder working power in our lives. Ta puissance merveilleuse dans nos vies. Accept our praises tonight in the name of Jesus. Reçois nos louanges ce soir dans le nom de Jésus. Everyone gathered in this meeting tonight. Et tous ceux qui sont réunis ici à cette réunion ce soir. Those who are near and those who are far. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. There is no barrier to the anointing. Mais il n'y a pas de barrière à l'onction. You are the God of all flesh. Tu es le Dieu de toute chair. You dwell in all places. Et tu demeures partout. Everyone hearing the sound of my voice. Et tous ceux qui entendent le son de ma voix ce soir. As we praise you tonight. Pendant que nous te louons. As we lift you high pendant tonight. Que nous t'élevons hautement ce soir. As we dance before you tonight. Pendant que nous dansons devant toi ce soir. Everything that represents shame. Tout ce qui représente la honte. Affliction. L'affliction. Agony. L'agonie. Sickness. La maladie. Poverty. La pauvreté. Failure. L'échec. Barrenness. La stérilité. Bad luck. La mauvaise chance. Let them expire in the name of que Jesus. Que tout cela expire dans le nom de Jésus. Bring out your white handkerchiefs now. Faites sortir vos mouchoirs blancs. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Close your eyes and begin to wave it up. Mais fermez les yeux et commencez maintenant à le jeter, à le secouer. As we begin to wave these handkerchiefs. Et pendant que vous commencez à secouer, remuer les mouchoirs. We say bye bye to backwardness. Nous disons au revoir, au retour en arrière. Bye bye to all our impossibilities. Au revoir à toutes les impossibilités dans nos vies. Bye bye to every mountain that is harassing our destiny. Au revoir à toutes les montagnes qui harcèlent nos vies. In the name of Jesus. Utilisez ces mouchoirs pour te louer ce soir. This is a sign of victory. C'est un signe de victoire pour nous. We shall be victorious. Et nous serons victorieux. We shall sing the song of victory. Nous allons chanter des chants de victoire. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We shall dance our dance. Nous allons danser notre danse. And we shall sing our song. Et nous allons chanter nos chants. And the enemy will cry. Et l'ennemi va pleurer. Oh, Satan will cry. Et Satan va pleurer. In the name Dans of le nom Jesus. De Jésus.
Thank you, Heavenly Father. Merci, Père Céleste. In Jesus' mighty name we pray. Et dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Please have your seat. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. That is just part one. C'est juste la première partie. Of our praise warfare tonight. Pour notre louange de combat ce soir. But I discovered. Mais j'ai découvert. That some people in our midst. Qu'il y a des gens au milieu de nous. They are not yet connected. Qui ne sont pas encore connectés. Ne sont pas encore branchés. Maybe. Peut-être. They don't have understanding. Qui n'ont pas la compréhension, l'entendement. Of what we are talking about. De quoi est-ce que nous parlons? When you have a good understanding. Mais lorsque vous avez un bon entendement. Of what something can do in your life. De ce qu'une chose peut faire dans vos vies. You will do it much more better. Vous serez en mesure de le faire mieux. When you have a better understanding. Lorsque vous avez une bonne compréhension de la chose. That is why I want to show you some things in the scriptures. Raison pour laquelle j'aimerais vous montrer quelque chose dans les Écritures saintes. And that will now lead us to the second part of our praise warfare tonight. Et cela va nous amener à la deuxième partie de nos louanges et de combat. Praise. La louange. As a warfare. En tant que combat spirituel. Praise. Louange. As a warfare. En tant que combat spirituel. Please, I beg you. Je vous supplie. You have a beautiful bird at home. Vous avez un bel oiseau à la maison. That you can sleep on. Un beau lit à la maison. And be snoring. Et où pouvez dormir et ronfler. But if you can abandon that beautiful bed at home. Mais si vous pouvez abandonner ce beau lit à la maison. And you come to a meeting like this. Et que vous êtes venu à une réunion comme celle-ci. And you are sleeping. Et que vous êtes en train de dormir. You need more than deliverance. Alors là, vous avez besoin plus que d'une délivrance. You need spiritual overhauling. Vous avez besoin d'un recouvrement spirituel. And then if you notice that somebody is trying to close his or her eyes beside you. Et si vous remarquez qu'il y a quelqu'un qui est en train de fermer les yeux à côté de vous. Tell the person. Dites à la personne. No way. Pas moyen. No meeting. Qu'il n'y a pas de réunion ce soir. Come back here. Reviens ici. So occasionally. Ainsi, occasionnellement, be looking at the person sitting beside you. J'étais un coup d'œil sur la personne qui est assise à côté de vous. The person just closes the eyes a et little si, bit. Et si la personne ferme un peu l'œil, tap the person. Touchez-la. No. Non. You can't go. Vous ne pouvez pas aller. Come back. Revenez. Amen. Amen. In Psalm 34. Dans le psaume 34. Verse 1. Verset 1. The next praise warfare. Le prochain combat de louange. Will determine. Va déterminer. How God will respond to you. Comment est-ce que Dieu va vous exaucer. For the rest of the year. Pour le restant de l'année. In Psalm 34. Dans le psaume 34. Verse 1. Verset 1. I will bless the Lord at all times. Verset 2 en français. Je bénirai l'Éternel en tout temps. His praise shall continually be in my mouth. Sa louange sera toujours dans ma bouche. I want you to read that scripture loud and clear and let the witches in your village. À haute voix, lisez clairement ce passage et que les sorcières de vos villages puissent vous entendre. Let's go.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. You are not loud enough. Ce n'est pas assez fort. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Let me hear the sisters. Read it loud and clear. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Let me hear the brothers. Read it loud and clear. Les frères aussi. Brothers, read it again loud and clear. Everybody together loud now. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. How many times are you supposed to bless the Lord? Combien de temps vous êtes censé bénir le Seigneur tout And what of his praise? Et la louange aussi his toujours. Praise must continually. Et sa louange doit être continuellement. Listen to me. Écoutez-moi. The power of praise. La puissance de la louange. Is the highest power. C'est la plus grande puissance. That any believer can exercise on earth. Que tout croyant peut exercer sur la terre. The highest power. La plus grande puissance. Praise. La louange. Is not a physical exercise of the body. Ce n'est pas un exercice physique sur le corps. It is a spiritual activity. C'est une activité spirituelle. Why is praise a spiritual activity? Pourquoi est-ce que la louange est une activité spirituelle? What makes praise a spiritual activity? Qu'est-ce qui fait de la louange une activité spirituelle? And not a physical exercise. Et non un exercice physique. The Bible gave us the answer. La Bible nous a donné la réponse. In Psalm 22. Dans le psaume 22. Look at the answer that the Bible gave to us. Et regardez ce que la Bible nous dit. Why praise is a spiritual activity. Pourquoi est-ce que la louange est une activité spirituelle? And not a physical exercise. Et non un exercice physique. Psalm 22. Le psaume 22. Verse 3. Verset 3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Pourtant tu es saint, verset 4, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Praise is a spiritual activity. La louange est une activité spirituelle. Because God dwells in it. Parce que c'est là que Dieu demeure. And God is a spirit. Et Dieu est esprit. Which means ce qui veut dire that anytime you begin to praise God, que chaque fois que vous commencez à louer Dieu, you are creating an habitation for him. Vous lui en train de lui construire une habitation. You are building a house for him. Vous êtes en train de lui construire une maison. You are bringing God down to where you are. Et vous ramenez Dieu dans votre demeure. Check your Bible very well. Et vérifiez bien. Anytime you pray, que chaque fois que vous priez, you bring angels down. Vous faites descendre les anges. But anytime you praise God, mais lorsque vous louez Dieu, you bring God himself down. Vous faites descendre Dieu lui-même. Why? Pourquoi? Because you are creating an habitation for him. Parce que vous êtes en train de lui construire une maison. No wonder the Bible says. Pas étonnant que la Bible dise. David prayed 3 times in a day. A prié 3 fois par jour. But he praised God 7 times in a day. Mais il loue Dieu 7 fois. He prayed 3 times in a day. Il prie 3 fois. He praised God 7 times. Et il le loue 7 fois. That is why I always tell people. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens. That after you have prayed and prayed and prayed. Après que vous ayez prié et prié et prié. And you don't know what to do again. Et que vous ne savez plus quoi faire. Turn to praises. Tournez vers la louange. Your prayers will tell God what to do. Vos prières vous diront à Dieu ce que vous devez faire. But your praises will say to God, please do whatever you can do in my life. Mais vos louanges diront à Dieu, s'il te plaît, fais ce que toi seul peux faire dans ma vie. When you pray to God, et lorsque vous priez à Dieu, you are very specific. Vous êtes spécifique, vous êtes particulier. Give me healing. Donne-moi la guérison. Oh Lord. Oh Dieu. Give me promotion.
Donne-moi la promotion. Whatever you ask, he gives it to you. Et tout ce que vous lui demandez, il vous donne. But when you begin to praise God, mais lorsque vous commencez à louer Dieu, you don't have to ask for anything. Vous n'avez pas besoin de demander quoi he que ce soit. He knows what you want. Il sait de quoi vous avez besoin. And he will begin to give it to you. Et il va commencer à vous le donner. So prayer brings limitation. Ainsi, la prière amène la limite. God will only do what you ask him to do. Dieu fera seulement ce que vous lui demandez de faire. But praise, mais la louange, gives God an open check. Donne un Dieu, un, à Dieu un chèque en he blanc. Begins to move on your behalf. Et il commence à there agir is somebody en votre faveur. Hearing me tonight. Il y a quelqu'un qui est ici ce soir. As you praise the King of Kings, pendant que vous louez le roi des rois, and the Lord of Lords, et le Seigneur des Seigneurs, that which your heart has been crying for, cette chose pour laquelle votre cœur ne fait que pleurer, shall be delivered into your hands. Sera donnée dans vos mains. Let your amen roar like thunder. Amen rugisse comme la foudre. Thanksgiving. Action de grâce. Is not the same thing as giving praises to God. N'est pas la même chose que de donner des louanges à Dieu. There are two different things. C'est deux choses différentes. You thank God. Vous remerciez le Seigneur. For what he has done for you. Pour ce qu'il a fait pour vous. But you praise God. Mais vous louez Dieu. For who he is. Pour qui il est. So praises ainsi, les louanges has a lot to do with the power of God. Ont à voir avec la puissance de Dieu. It has a lot to do with the integrity of God. Sont en rapport avec l'intégrité de Dieu. It has a lot to do with the character of God. Sont en rapport avec le caractère de Dieu. It has a lot to do with the nature of God. Et ça a rapport avec la nature de Dieu. It has a lot to do with the mind of God. Il y a plus à faire avec la pensée de Dieu. It has a lot to do with the spirit of God. Et il y a plus à faire avec l'esprit de Dieu. You thank God for what he has done for you. Vous remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. But you praise God for who he is. Mais vous le louez pour qui il est. And who is God? Et qui est Dieu? God himself defined himself to us. Dieu s'est défini à nous. Because we have a finite knowledge. Parce que nous avons juste une petite a connaissance. Limited knowledge. Une connaissance limitée. So no matter how you try to describe God, ainsi, quel que soit comment vous essayez de décrire Dieu, you cannot give him a perfect definition. Vous ne pouvez pas lui donner une définition parfaite. So he knows this. Ainsi, il le sait. So he gave us his own definition. Et il nous a donné sa propre définition. Who is God himself? Qui est Dieu lui-même? Look at it in the book of Exodus. Regardez-le dans le livre d'Exode. Look at how God defined himself. Regarde comment Dieu lui-même s'est défini. Exodus chapter 3. Exode chapitre 3. Look at what he says. Regardez ce qu'il a dit. Exodus chapter 3. Exode chapitre 3. I read from verse 13. Et je lis à partir du verset 13. And Moses said unto God. Et Moïse dit à Dieu. Behold, when I come unto the children of Israel, j'irai donc vers les enfants d'Israël, and shall say unto them, et je leur dirai, the God of your fathers has sent me unto you, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, and they shall say to me, mais s'ils me demandent, what is his name, quel est son nom, what shall I say unto them, que leur répondrai-je? If I go to these people, et si je vais vers ces personnes, and I tell them, et je leur dis, the God of Abraham, le Dieu d'Abraham, Isaac and Israel, Isaac et Israël, has sent me to you, m'ont envoyé vers vous. They will ask me, who is this God? Ils me demanderont qui est ce Dieu. And look at the answer that God gave to Moses. Et regardez la réponse que Dieu a donnée à God Moïse. God said unto Moses. Et Dieu dit à Moïse. I am that I am. Je suis qui suis. And he said. Et il dit. Thou shalt say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. Et tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. I am that I am. Je suis celui qui suis. Nothing more, nothing less. Et pas plus, pas moins. I am means. Je suis veut dire. I am limitless. Je suis sans limite. I am means. Je suis veut dire. I am whatever you say I am. Je suis ce que vous dites que je suis. I am means. Je suis veut dire. The beginning of the beginning. Le commencement du commencement. The one who has no ending. Celui qui n'a pas de fin. I am that I am means. Je suis celui qui suis veut dire. Self-existence.
que j'existe par moi-même. Self-sustaining. Et je prends soin de moi-même. All in all. Tout en tout. I am that I am means. Et je suis celui qui suis veut dire. Undescribable. On ne peut pas me décrire. Someone that your brain cannot really explain. Quelqu'un que votre cerveau ne peut pas en réalité expliquer. I am is not a title. Je suis n'est pas un titre. I am is more than a name. Et je suis est plus qu'un nom. I am means too much to understand. Et je suis veut dire que c'est trop à comprendre. I am means more than whatever you can think of. Et je suis veut dire tout ce que vous pouvez imaginer. I am means too much to comprehend. Et je suis veut dire que c'est trop à comprendre. So when a believer begins to praise God. Et lorsque un croyant commence à louer Dieu. He is actually saying. Il est en train de dire. You are the ancient of days. Que tu es l'ancien des jours. The rock of ages. Tu es le rocher des âges. The king of glory. Le roi de gloire. The king of kings. Le roi des rois. The lord of lords. Le seigneur des seigneurs. The unkillable God. Le Dieu qu'on ne peut pas tuer. The rose of Sharon. La rose de Sharon. You actually say is the prince of peace. Que il dit que vous êtes le prince de paix. The terrible one. Le terrible, le redoutable. The father of all spirits. Le père de tous les esprits. He is in charge. Il est en charge. Whether it is spirit husband. Que ça soit le mari spirit de lui. Wife. Ou que le mami le spirit, que l'esprit de Mami Wata ou bien the la sorcellerie. The father of spirit. La Bible l'appelle le père de tous les esprits. The beginning and the ending. Le commencement et la fin. To praise God. Pour louer Dieu. Is to elogize him. C'est de lui donner de l'énergie. That is, you are giving some kind of oration. To honor him and to exalt him. Et que vous lui en train de lui donner des gens d'oracle pour l'honorer et l'exalter. To eulogize means to make a loud speech in elevating someone. Et de faire des grands discours pour pouvoir élever quelqu'un. To eulogize someone is to heap praises on a man or a woman that is highly commended. Faire des éloges à quelqu'un, c'est d'élever quelqu'un hautement. Anytime you begin to praise God like that. Et chaque fois que vous commencez à louer quelqu'un de cette manière. Where I come from, they said his head will swell up. Et on dit que sa tête s'enfle, d'où il vient. His head will swell up. Il commence à se considérer. It's like a rich man. C'est comme un homme riche. That people are singing praises about. Que à qui les gens font des éloges. He doesn't want to spend money. Il ne veut pas dépenser de l'argent. But when they began to praise him. Mais lorsque les gens commencent à le louer. You are this. Vous êtes ceci. You are that. Vous êtes cela. You are this. Vous êtes ceci. You are that. Vous êtes cela. His head will swell up. Et il commence à se donner de la considération. He bring out money and began to spread the money. Et maintenant il sort l'argent, il commence maintenant à jeter l'argent. Our God. Notre Dieu. Is more than that. Il est plus que cela. When I was coming. Pendant que je venais, I was singing there. I saw some people just sitting down. J'ai vu des gens qui chantaient et puis il y en a qui sont assis. Just sitting down. Qui sont assis. And looking up and down. Et qui sont en train de regarder en haut et en bas. I said, "Che." Et j'ai dit, "Ah." Che, they don't understand. Ah, ils ne comprennent pas. In Exodus chapter 15. Exode chapitre 15. Verse 11. Who is like unto thee, O Lord? Qui est comme toi? Among the gods. Parmi les dieux, ô éternel. I want you to pause for a minute. J'aimerais que vous vous arrêtez pour un moment. Who is like unto thee, O God? Qui est comme toi, éternel? Among the gods. Parmi tous les dieux. Who are the gods that we're talking about? Et qui sont ces dieux dont on parle? They are the small gods. C'est des petits dieux. That many of us were afraid of. Dont plusieurs d'entre nous ont peur. Those gods. Ces petits dieux. That have eyes and they could not see. Qui ont les yeux qui ne peuvent pas voir. Small gods. Ces petits dieux. That have ears but they could not hear. Qui ont des oreilles qui ne peuvent pas entendre. When somebody puts palatry on the body. Et lorsque quelqu'un met des and all kinds of
juju and medicine on their body. N'importe quoi sur le corps, les fétiches et les amulettes. A believer that is filled with the Holy Ghost. Et le croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Will be afraid. Va avoir peur. Who is like unto thee, O God? Qui est comme toi, ô Éternel? Among the gods. Parmi les dieux. Who is like unto thee? Qui est comme toi? Glorious in holiness. Digne de louange. Fearful. Qui est magnifique en sainteté. C'est fearful. Et digne. You didn't say it very well. Say it with aggression. Say it with a shout. Redoutable. I didn't hear your voice at all. Redoutable. When you say someone has become fearful. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est devenu redoutable. What are you saying? De quoi est-ce que vous parlez? You are saying the person has become very angry. Vous êtes en train de dire que la personne est devenue très fâchée. The person has become a bulldozer. La personne est devenue un caterpillar. The person has become very dangerous. Que la personne est devenue très dangereuse. The person has become very tough. Que la personne est devenue très dure. The person has become a killing machine. Que la personne est devenue une machine à tuer. That is what God becomes anytime you begin to praise him. Et c'est ce que Dieu devient chaque fois que vous le louez. Who is like unto thee? Qui est comme toi? Oh Lord. Oh Éternel. Who is like unto thee? Qui est comme toi? Oh Lord. Oh Éternel. Among parmi the gods, les dieux. Who is qui like thee? Qui est comme toi? Glorious in holiness. Magnifique en and sainteté. Fearful in praises. Et digne always de do. Toujours opérant des prodiges. Alléluia. A woman was sleeping. Une femme dormait. And suddenly she felt that somebody was trying to choke her to death. Et elle a senti que quelqu'un en train de l'étouffer à mort. In the middle of the night. Au milieu de la nuit. She jumped up. Elle s'est levée. Instead of saying I bind you. Au lieu de dire que je te lis. Fire. Feu. Thunder. Tonnerre. No. Non. She jumped up. Elle s'est levée. And began to praise God. Elle a commencé à louer Dieu. She began to dance. Elle a commencé à danser. She did that for 1 hour. Elle a fait cela pendant une heure. By the following morning. Et le lendemain. As she opened the door of her house. Pendant qu'elle a ouvert la porte de sa maison. On the floor. Au par terre. She found 3 cats dead. Elle a trouvé 3 chats morts. And it's like somebody just lay them side by side. Et c'est comme quelqu'un venait les poser tout l'un à côté de l'autre. By the evening time. Et vers le soir. She had a news. Elle a appris une nouvelle. Somebody died from one city. Quelqu'un est mort dans une ville. Another person died from one village. Et une autre personne est morte dans une autre another ville. Another person died from another place. Et une autre personne est morte dans une autre ville. And they all died at the same time. Et les trois sont morts au même moment. So there were those people that came to choke her to death. Et ce sont ces personnes-là qui sont venues pour l'étouffer à mort. So the death sentence. Et la sentence de mort. That they released upon her. Qui était relâchée sur elle. Through the praise warfare. Au travers de la louange, le combat dans la louange. Jehovah sent it back to the sender. Jehovah les a retournés à l'envoyeur. As you praise God tonight. Et pendant que vous louez Dieu ce soir. Any power. Tout pouvoir. That is looking for you to die. Qui cherche votre mort. That death. Cette mort là. Shall be transferred to their heads. Sera transféré sur leur tête. If I were you, I would say a louder amen. Et si j'étais vous, j'allais dire un amen plus grand. If I were you, I would say a louder amen. Et si j'étais vous, j'allais dire un amen plus grand. I heard the testimony of a sister. J'ai appris le témoignage d'une sœur. She was traveling. Elle voyageait. Around 10, 11 p.m.
aux environs de 23h, 22h, 23h. And she was listening to this praise song. Et elle écoutait des chansons de louange. Inside her car. Dans sa voiture. She was singing the song and dancing. Elle chantait et elle dansait. As she was driving. Et pendant qu'elle conduisait. All of a sudden. Et soudain. Some armed robbers. Il y a des voleurs à main armée. Stopped her. Qui ont arrêté la voiture. Brought out their gun. Ils ont fait sortir leur fusil. And they asked her to come out of the car. Ils lui ont demandé de sortir de la voiture. Immediately she opened the door. Et dès qu'elle a ouvert la porte. And they heard the song. Et qu'ils ont entendu la chanson. They began to dance. Ils ont commencé à danser. And the sister was watching them. Et la sœur les regardait. They asked her to sit in one side. Et on lui a demandé de s'asseoir à côté. And they began to dance. Ils ont commencé à danser. And dance and dance and ils dance. Ils ont dansé et dansé. Until the song finished. Jusqu'à ce que la musique finisse. And they said, et ils ont dit, we are going to kill you now. Nous allons te tuer maintenant. If you don't give us that cassette. Si tu ne nous donnes pas cette cassette. And the sister said, no problem. Il n'y a pas de problème. She gave them the cassette. Elle leur a donné la cassette. Said, go. Et ils lui ont demandé de partir. And then she went. Et elle est partie. It is not ordinary. Ce n'est pas ordinaire. The death that is waiting for you on the road. La mort qui vous attend sur la route. As you praise God tonight. Pendant que vous louez Dieu ce soir. It shall pass over you. Va vous passer. Say a louder amen. Dites un amen plus grand. Say a louder amen. Dites un amen plus grand. In Psalm 49. Le psaume 49. In Psalm 49. Dans le psaume 49. We are getting ready now. Nous apprêtons maintenant. To enter into the praise warfare section. Et dans, de, pour pouvoir entrer dans la section de louange et de combat spirituel. Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Psalm 149. 149, s'il vous plaît. 149. I read from verse 1. À partir du verset 1. Are you there now? Praise ye the Lord. Chantez à l'Éternel. Is that correct? Yeah. Fine. Sing unto the Lord a new song. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. And his praise in the congregation of saints. Et chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Let Israel rejoice in him that made him. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Let the children of Zion be joyful in their king. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Let them praise his name in the dance. Qu'ils louent son nom avec des danses. Can you see that in what? In the dance. Avec des danses. Let them sing praises unto him with the timbrel and harp. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. For the Lord taketh pleasure in his people. Quand l'Éternel prend plaisir à son peuple. He will beautify the meek with salvation. Il glorifie les malheureux. That is, as you are praising God tonight. Ce qui veut dire que pendant que vous louez le Seigneur ce soir, even if you are not saved, même si vous n'êtes pas sauvé, the spirit and the power of salvation will come upon you. L'esprit et la puissance du salut va descendre sur vous. Verse 5. Verset 5. Let the saints be joyful in glory. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Let them sing aloud upon their beds. Et qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Let the high praises of God be in their mouth. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. And a two-edged sword in their hand. Et le glaive à deux tranchants dans leur main. To execute vengeance upon the heathen.
pour exercer la vengeance sur les nations, and punishment upon the people, pour châtier les peuples, to bind their kings with chains, pour lier leurs rois avec des chaînes, and their nobles with fetters of iron, et leurs grands avec des ceps de fer, to execute upon them the judgment written, pour exercer contre eux le jugement qui est écrit. This honor, c'est une gloire, have all his saints, pour tous ses fidèles. Praise ye the Lord. Louez l'Éternel. There are five solid things. Il y a cinq choses solides that were mentioned as a result of giving praises, qui ont été mentionnées en résultat des louanges que nous donnons à Dieu. In that scripture, dans cette écriture, the first one, la première, is vengeance upon the hidden. Et c'est la vengeance sur les méchants. That is, as you begin to praise God now, et que pendant que vous louez l'Éternel maintenant, there shall be vengeance. Il y aura la vengeance. Vengeance upon the hidden means, la vengeance sur les nations veut dire, les méchants veut dire, any child of the devil, que tout enfant du diable, that has ever touched you, qui vous ait jamais touché, for evil, pour le mal, God, Dieu, will give them a knock on the head, va leur donner un coup sur la tête. Those who say amen, ceux qui ont dit amen, shall receive the benefits, vont recevoir le bénéfice. The second thing, la deuxième chose, is punishment upon the people. C'est la punition qui sera affligée aux gens. The people there represent wicked men and women. Et c'est le peuple veut dire les hommes méchants et les femmes méchantes. We have them around us. Et nous les avons aux alentours. Their conscience has been seared with hot iron. Et leur conscience a été scellée avec le fer chaud. They have no human feeling. Ils n'ont pas de sentiment humain. Wicked men. Des gens méchants. Wicked women. Des hommes méchants, des femmes méchantes. I have told you here before. Je vous ai dit ici avant. A man came to see me. Un homme est venu me voir. And he had cap on his head. Et il a porté un chapeau. And I said, excuse me. Et je lui ai dit, mais s'il te plaît, remove your cap. Enlève le chapeau. He said, sir, I can't remove it. Il dit, monsieur, je ne peux pas enlever le chapeau. That is why I've come to see you. C'est pour cela que je suis venu te voir. Because if I remove this cap, parce que si j'enlève ce chapeau, flies, les mouches, will bombard his head, vont bombarder sa tête. I said, flies? Des mouches. He said, yes. Il dit, oui. It's okay. Okay. Come out of the counseling room. Viens dans la chambre de conseil. I brought him out. Et je l'ai fait sortir. Remove the cap. Enlève le chapeau. He removed it. Il l'a enlevé. Beloved. Bien-aimé. From the east. De l'est. From the west. De l'ouest. From the south. Du sud. From the north. Du nord. Different corners. De tous les coins. Both big and small. Petit comme gros. Flies. Des mouches. The green one, the red one, des verts, the yellow des one, rouges. Different types. De toutes couleurs. It's like somebody blow a whistle. C'est comme quelqu'un a sifflé. They came rushing on his head. Ils sont venus de partout en se dépêchant sur sa tête. The man was running and they were running after him. Et le monsieur courait et il le poursuivait. I have never seen that kind of thing in my life before. Je n'ai jamais vu ce genre de choses dans ma vie. He ran towards this place, they ran after him. Lorsqu'il court là, elle le suit. How can such a man get married? Comment est-ce que ce genre de personne, cet homme, un genre d'homme comme ça peut se marier? How can such a man enjoy his life? Comment ce genre d'homme peut jouir de la vie? Wicked men. Des hommes méchants. Wicked women. Des femmes méchantes. They are behind it. Sont derrière cela. The Bible says. La Bible dit. Punishment upon the people. Le châtiment sur les nations. Punishment upon the wicked. La punition sur wicked les méchants. Wicked men. Les hommes méchants. And wicked women. Et les femmes méchantes. They shall receive hot judgment tonight. Vont recevoir un jugement chaud ce soir. I have told you of a sister here. Et je vous ai parlé d'une sœur ici. She slept with her two breasts intact. Elle a dormi avec ses deux seins bien intacts. She woke up in the morning. Elle s'est levée le matin. And then one breast had disappeared. Et il y a un sein qui a disparu. Who stole the breast? Qui a volé le sein? Nobody knows. Personne le sait. But the thing has disappeared. Mais le sein a disparu. Who will marry you with one breast? Qui va marier, va prendre une femme avec un seul sein? Activities of wicked men.
captivité des hommes méchants and wicked women. Et des femmes méchantes. They shall receive hot judgment tonight. Ils vont recevoir un jugement chaud ce soir. Oh, how can you explain? Ou comment est-ce que vous pouvez expliquer? A woman, une femme, giving her own daughter, donner à sa propre fille, bread, du pain. Say, take this bread. Dit, mange ce pain. Eat it. Mange-le. And let your womb block. Et que ton sein maternel soit bloqué. A woman, une femme, mother, une mère, giving that to her daughter, donner cela à sa fille. Say, take this bread. Mange ce pain. Eat it. Mange-le. And let it block your womb. Et que tes entrailles soient fermées. So it doesn't matter. Et peu importe. How close this wicked man or woman are you to you? Comment est-ce que ces hommes méchants et femmes as you praise God tonight, wherever they are, prions ce soir, partout où ils sont, they shall receive hot punishments. Ils vont recevoir des punitions chaudes. Let your amen roar like thunder. Que ton amen rugisse comme le tonnerre. A man came for a program like this. Un homme est venu à un programme comme celui-ci. And after the program, et après le programme, there was a word of knowledge. Il y avait une parole de connaissance. And there's someone here. Qu'il y a quelqu'un ici. The person behind your case. La personne qui est derrière votre situation. Actually followed you to this place. Vous a suivi jusqu'ici. But that person has made a mistake. Mais la personne a commis une erreur. By following here. En vous suivant ici. And God said he has given that person hot judgment. Et Dieu dit qu'il a donné à cette personne un jugement chaud. There was one brother that came for the first time. Et il y a un frère qui est venu pour la première fois. Actually, he didn't actually pray that day. Et ce jour-là, il n'avait même pas prié. Because he didn't really understand the kind of prayer that we are praying. Parce qu'il ne comprenait pas le genre de prière qu'on faisait. So when the word of knowledge came out, he just said a dry amen. Et lorsque la parole de connaissance est sortie, il a juste dit un amen sec. But God wanted to show him something. Mais Dieu voulait lui montrer quelque chose. After the meeting. Et après la réunion, the mother, sa maman, asked him to come immediately. Lui a demandé de venir immédiatement. He ran. Il a couru. He was very close to the mother. Parce qu'il était très proche de sa mère. So close. Il était vraiment proche de sa mère. That he can do anything for that woman. Et que il peut tout faire pour sa maman. He met the woman. Il a vu la femme lying on the floor, couchée à terre, finding it very difficult to breathe. Et elle trouvait difficile de respirer. Mommy, dit maman, what happened? Qu'est-ce qui ne va pas? Say, I have to tell you something. Ah, je dois te dire quelque chose. I have to tell you something. Je dois te révéler quelque chose. Say, what is it, mommy? De quoi est-ce qu'il s'agit, maman? Said, you see. Et tu vois. You went to one church. Tu es parti dans une église. Say yes. Dis oui. I followed you there. Je t'ai suivi là-bas. In the spirit. En esprit. Say, hein? Dis hein? You followed me. Tu m'as suivi. The mother said, I have not finished. La maman dit, je n'ai pas encore fini. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? The accident that happened to you. Que l'accident que tu avais sometimes eu ago, il y a quelques moments, and you broke your leg, you broke your hand. Et tu as eu les pieds cassés, she les mains cassées. She was one responsible. Et elle était la responsable. So de do cela. You remember? Est-ce que tu te souviens? How your wife just packed out of the house? Comment est-ce que ta femme t'a laissé? So she was one responsible. Qu'elle était responsable de cela. Do you remember? Est-ce que tu te souviens? The way your car knocked. La manière dont ta voiture est tombée so tombée she was en panne. Elle était responsable de cela. Do you notice? Est-ce que tu as remarqué? That nobody is willing to assist you at que all. Que personne n'a envie de t'assister du tout. So she was one that put a mark on him. Que c'est moi qui ai mis une marque sur lui. So that no matter nobody will just look at him at all for help. Personne ne peut venir vers toi pour t'aider. And the woman said all this. Et la femme a dit toutes ces choses. And she died. Et elle est morte. Just like that. Juste comme cela. Punishment. La punition. Upon the wicked. Sur les méchants. Any power. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Any man. Tout homme. Any woman. Toute femme. Either white or black. Que ça soit blanc ou noir.
any animal. Tout animal. That is after your downfall. Qui est qui poursuit votre chute ou qui recherche votre God chute. Tonight, pendant que vous priez ce soir. They shall be openly disgraced. Ils seront déshonorés publiquement. Say a louder amen. Un amen plus grand. The third thing that happens. La troisième chose. As we praise God. Pendant que nous louons Dieu. Is you bind their kings with chains. Vous liez leur roi. This is talking about evil spirits. Lorsque nous parlons des esprits méchants. Satanic powers. Des pouvoirs sataniques. Spirit husbands and spirit wives. Les maris et les femmes de nuit. The ancestral strong mind. Et l'homme fort ancestral. You bind them with chains. Vous les liez avec des chaînes. The kind of chains that they cannot escape from. Le genre de chaînes desquelles ne peuvent pas échapper. The fourth thing that happens. Et la quatrième chose qui arrive. As a result of giving praises to God. En résultat de donner louange à Dieu. Is that you? There will be a binding of the nobles with fetters of iron. Que les nobles seront liés avec des barres de fer. You bind the nobles with fetters of iron. Et vous liez leurs hommes forts avec des fers. Nobles represents the evil power of your father's house. Les nobles représentent les pouvoirs maléfiques de la maison de votre père. Satanic angels. Les anges sataniques. The witchcraft power. Le pouvoir de la sorcellerie. Let me tell you something here today. Et je vais vous dire quelque chose ici aujourd'hui. The power. Le pouvoir. That is harassing so many people. Qui harcèle plusieurs personnes. Is the witchcraft power. C'est le pouvoir de la sorcellerie. If you are looking for an old man or si an vous old cherchez woman, un vieil homme ou bien une vieille femme. That is walking as if he's getting ready to die. Qui marche comme si elle est sur le point de mourir. And you think that man must be a witch. Et que vous pensez que cette personne là that man must be a peut, witch. Peut être une sorcière ou bien un sorcier. It's a lie. C'est faux. The enemy has changed his tactics. L'ennemi a changé de tactique. The witches and the wizards that we have now. Les sorciers et les sorcières que nous avons maintenant. They can blow grammar. Il peut bien parler la grammaire. They wear expensive ties and suits. Et ils portent des cravates très chères et des costumes très chers. They are witches and wizards that have dictionaries in their bags. Et c'est des sorciers et des sorcières qui ont le dictionnaire dans le sac. Highly educated. Très éduqués. Seriously sophisticated. Et très sophistiqué, sérieusement. Or they are serpents and scorpions. Mais c'est des serpents et des scorpions. They are the ones at the root of so many people's problems. Et ce sont ceux-là qui sont à la racine de plusieurs personnes, les problèmes de plusieurs personnes. They are looking for a way to get access to your blood. Et ils ne font que chercher un moyen pour avoir accès à votre sang. Many that are here in London. Il y a plusieurs qui sont ici à Londres. Their stars, their destinies has been kicked. Leurs étoiles et leur destin sont emprisonnés. By the power of witchcraft. Par la puissance de la sorcellerie. When the devil rebelled against God. Lorsque le diable s'est rebellé contre Dieu. The first thing that he went into is witchcraft. La première chose dans laquelle il est entré c'est la sorcellerie. And there are so many now. In these last days. Et il y a tellement de sorciers et de sorcières ces derniers temps. They don't use food to initiate people into witchcraft anymore. Ils n'utilisent plus la nourriture pour initier les gens à la sorcellerie. A little girl was telling me something. Il y a une petite fille qui me disait quelque chose. She said, "Do you want to know how we initiate people into witchcraft?" Est-ce que tu veux savoir comment est-ce que nous initions les gens à la sorcellerie? Please tell me. Elle dit, s'il te plaît, dis-moi. And she said. Elle a dit. What they need to do tout ce dont is ont just besoin, to place their left hand on the shoulder of their victim. C'est de mettre leur pied droit sur l'épaule de leur victime. Say one or two things.
et de dire deux ou trois choses. And that is it. Et ça y est. The person will just find himself or herself inside the coven. Et la personne va se retrouver dans le couvent. Any witchcraft power. Tout pouvoir de sorcellerie. That is at the root of your tears. Qui est la racine de vos larmes. They shall fall down and die. Vont tomber, mourir. Say a louder amen. Dites un grand amen. And number five. Et numéro 5. What will happen as you give praises to the Lord? Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous louez Dieu? You execute a written judgment upon the enemy. Vous exécutez un jugement écrit sur l'ennemi. Do you want to know the written judgment? Est-ce que vous voulez savoir le jugement écrit? That will come upon your enemies tonight. Il va descendre sur vos ennemis ce soir. Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Okay, look at it. Regardez. In Psalm 109. Dans le psaume 109. So if you are not ready, if you are not ready, et si vous n'êtes pas prêt, I don't want your enemy to experience this written judgment. Et que vous ne voulez pas que votre ennemi expérimente ce jugement écrit. While others are praising God and dancing, pendant que les autres louent et dansent, sit devant down. Dieu, vous asseyez-vous. And be admiring those who are doing it. Et admirez ceux qui sont en train de le faire. And be praising them. Et louez-les, félicitez-les. Be healing them. Et applaudissez-les. Look at what will happen. Regardez à ce qui va arriver. The Lord said, "I should let you see this." Le Seigneur a permis que je vous fasse voir ceci. You will know that what you are about to do now. Afin que vous sachiez que vous êtes sur le point de faire. It's not just that you are trying to exercise your physical body. Ce n'est pas seulement que vous essayez d'exercer votre physique. Ce n'est pas un exercice physique. God is interested in it. Dieu a de l'intérêt là-dedans. Look at it in Psalm 109. Et regardez ceci dans le psaume 109. From verse 1. À partir du verset 1. Hold not thy peace, O God of my praise. Dieu, ma louange, ne te tais pas. For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. They have spoken against me with a lying tongue. Ils me parlent avec une langue mensongère. They compass me about also with words of hatred. Et ils m'environnent de discours de haineux. And fought against me without a cause. Et me font la guerre sans cause. For my love, they are my adversaries. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. But I give myself unto prayer. Mais moi, je recours à la prière. And they have rewarded me evil for good. Et ils me rendent le mal pour le bien. And hatred for my love. Et de la haine pour mon amour. He now began to talk about the judgment. Et maintenant, il a commencé à parler du jugement. He says, set down a wicked man over him. Place-le sous l'autorité d'un méchant. And let Satan stand at his right hand. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. It's like somebody who wants to be roasted before. C'est comme si quelqu'un qui voulait être rôti avant. You now decorate the person with petrol or with Et gas. Et maintenant vous décorez la personne avec de l'essence. So it will make the job easier. Cela va rendre la tâche très facile. The person that the devil is looking for before. La personne que le diable recherchait avant. He now says, Satan now stand at his right hand. Maintenant, on dit que Satan est à sa droite. Verse 7. Verset 7. When he shall be judged, quand on le jugera, let him be condemned. Qu'il soit déclaré coupable. And let his prayer become sin. Et que sa prière passe pour un péché. Let his days be few. Que ses jours soient peu nombreux. And let another take his office. Qu'un autre prenne sa charge. Let his children be fatherless. Que ses enfants deviennent orphelins. And his wife a widow. Et sa femme veuve. Let his children be continually vagabonds. Et que ses enfants soient vagabonds. And beg. Et qu'ils mendient. Let them seek their bread.
qu'ils cherchent du pain. Also out of their desolate places. Loin de leur demeure en ruine. Let the extortioner catch all that he has. Et que le créancier s'empare de tout ce qu'il and a. And let the strangers spoil his labor. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Look at verse 12. Regardez le verset 12. Let there be none to extend mercy unto him. Que nul ne converse pour lui de l'affection. Neither let there be any to favor his fatherless children. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Let his prosperity be cut off. Et que ses descendants soient and the generation following, let their name be blotted out. Et que leur nom s'éteigne dans la génération. Let vivante. The iniquity of his fathers be remembered. Que l'iniquité de ses pères reste with en souvenir devant l'Éternel. And let not the sin of his mother be blotted out. Et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Let them be before the Lord continually. Et qu'il soit toujours présent devant l'Éternel. That he may cut off the memory of them from the earth. Et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Because that he remembered not to show mercy. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. But persecuted the poor. Parce qu'il a persécuté le malheureux. And needy man. Et l'indigent. That he might even slay the broken in heart. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Has a loved cursing. Il aimait la malédiction. So let it come unto him. Qu'elle tombe sur lui. As he delighted not in blessing. Et qu'il ne se plaît pas à la bénédiction. So let it be far from him. Et qu'elle s'éloigne de lui. As he clothed himself with cursing. Qu'il revête la malédiction. Like as with his garment. Comme son vêtement. So let it come into his bowels like water. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. And like oil into his bones. Et comme de l'huile dans ses os. Let it be unto him. Qu'elle lui serve. As a garment which covereth him. De vêtements pour se couvrir. And for a girdle wherewith he is guided continually. De ceinture dont il soit toujours saint. Let this be telle the soit reward de la part of my adversaries. De l'Éternel, le salaire de mes. From who? From who? De la part de from l'Éternel. From who? De la part de l'Éternel. From the Lord. The written judgment. Les jugements écrits. So you can see that et we are here for a serious business. Que nous sommes très sérieux. It is impossible. Et c'est impossible. Rise up now. Hold your white handkerchief in your hand. Tenez votre mouchoir blanc en main et mettez-vous debout. Everybody should rise up now. Que tout le monde se lève maintenant. It is impossible. C'est impossible. To engage in a spiritual warfare. De s'engager dans le combat spirituel. And be gentle. Et d'être doux. Your praise to God today. Vos louanges à Dieu aujourd'hui. Is a spiritual warfare. C'est un combat spirituel. You must forget yourself and get lost in God. Vous devez vous oublier et vous perdre en Dieu. Listen. Écoutez. The people that should praise God more than anybody here today. Et ceux qui doivent louer Dieu plus que quiconque ici aujourd'hui. Are the ministers of God. Sont les ministres de Dieu. Why? Pourquoi? Because God expected them to know what praise can do among the people of God. Parce que Dieu s'attend d'eux à comprendre ce que la louange peut faire parmi le peuple de Dieu. Forget about your titles. Oubliez vos titres. Miriam was a minister of God. Était ministre de Dieu. She praised God without any reservation. Elle a loué Dieu sans réserve. Moïse was a man of God. Était un homme de Dieu. He praised God without any reservation. Et il a loué Dieu sans réserve, sans retenue. Paul and Silas, they were locked up in the prison. Paul et Silas sont enfermés. They were ministers of God.
Et c'est des serviteurs de Dieu. But they forgot about their titles. Mais ils ont oublié leur titre. They praise God without any reservation. Et ils ont loué Dieu sans réserve. David was a priest. David était un sacrificateur. Was also a king. Il était aussi roi. Also a minister of God. Et aussi un serviteur de Dieu. He praised God, he danced. Il a loué Dieu, il a dansé. And the woman that said, "Why are you doing this, king?" Et la femme qui a dit, "Mais qu'est-ce que fais-tu, roi?" God blocked her womb. Dieu a fermé ses entrailles. She was the only woman that died barren in the Bible. Et c'est la seule femme qui est morte stérile dans la Bible. Why? Because she attacked a man that was praising God. Pourquoi? Parce que elle attaquait l'homme qui And like I used to tell us here, et comme j'ai l'habitude de dire ici, if you give God what he cannot give himself, et si vous donnez à Dieu ce qu'il ne peut pas s'offrir, he will give you what you cannot give yourself. Il va vous donner ce que vous ne pouvez pas vous offrir aussi. God cannot praise himself. Dieu ne peut pas se louer. He can't praise himself. Il ne peut pas se louer. So he loves those who praise him. Donc il aime ceux qui le louent. Let me tell you this. Je vais vous dire ceci. The devil find it difficult. Le diable trouve difficile to stay in an environment de rester dans un environnement where they are praising God. Où les gens louent Dieu. Because you are, it's like you are praising his enemy. Parce que c'est tout comme si vous êtes en train de louer ses ennemis. Nobody likes to stay where they are praising his enemy. Et personne n'aime rester là où son ennemi est loué. So as you praise God tonight, et pendant que vous louez Dieu ce soir, anything that represents the devil in your life, tout ce qui représente le diable dans vos vies, we jump out. Va sortir. It is so easy. C'est tellement facile. To dance and sing when your heart is not there. De danser et de chanter pendant que votre cœur n'y est pas. It is so easy. C'est facile. To jump because others are jumping. De sauter parce que les autres sautent. Or to sing because others are singing. De chanter parce que les autres chantent. If you are doing that, et si vous êtes en train de faire cela, heaven will just pass you by. Le ciel va vous dépasser. You must know in your heart, vous devez savoir dans votre cœur, that this my God, que ce Dieu, mon deserve Dieu, my praises, mérite mes louanges, deserve my worship, mérite mes adorations. The Bible says, la Bible dit, let everything that has breath, que tout ce qui respire loue l'Éternel. I have come to realize, et j'ai réalisé, that so many things that we do in the house of God, que il y a plusieurs choses que nous faisons dans la maison de we Dieu. We pray, we fast, nous prions, nous we jeûnons, read the Bible, nous lisons la Bible, we hear the word of God, nous écoutons la parole de Dieu. All this thing is just for our destiny to move forward. Toutes ces choses, c'est pour que notre destin puisse avancer. But the only thing that we give to God, mais la seule chose que nous donnons à Dieu, is the praise. C'est la louange. The praise. La louange. The praise. La louange. A believer that is praying, un croyant qui prie, and is not praising God, et qui ne loue pas Dieu, is like a bird that is trying to fly with one wing. C'est comme un oiseau qui essaie de prendre l'envol avec une aile. You can pray amiss. Vous pouvez prier n'importe but quoi. You cannot praise amiss. Mais vous ne pouvez pas louer Dieu n'importe comment. You can pray wrongly. Vous pouvez faire de mauvaises prières. But you cannot praise wrongly. Mais vous ne pouvez pas donner de mauvaises louanges à Dieu. A man woke up. Un homme s'est levé. And discovered that he was smelling. Et il s'est rendu compte qu'il sent. Il sentait mauvais. What was responsible? He didn't know. Qu'est-ce qui en est responsable? Il ne sait pas. He just discovered, il a seulement découvert, that as he enter the bus, que pendant qu'il rentre dans le bus, people just close their nose, les gens ferment leur nez, because of the kind of smelling that was oozing out from his body, à cause du genre d'odeur qui sortait de son corps. When he got to work that day, et lorsqu'il est arrivé au travail ce jour, everybody just ran away from him. Les gens se sont éloignés de lui. So they have to tell him, et les gens lui ont dit, please, s'il te plaît, go and take care of yourself. Va prendre soin de toi. Why are you smelling like this? Pourquoi est-ce que tu sens aussi mauvais? Went to the hospital. Il est allé à l'hôpital. The doctor checked. Le médecin l'ont examiné. Il va bien. Everything is fine. Tout va bien. But the smell is like the smell of a corpse. Mais l'odeur, c'est comme l'odeur d'un cadavre. He went to the mountain.
Et il est allé à la montagne. He prayed and prayed and prayed. Il a prié et prié et prié. The smelling did not stop. Mais l'odeur n'a pas cessé. He went to different men of God. Il est allé vers plus différents hommes de Dieu. They prayed for him. Ils ont prié pour lui. They laid hands on him. Ils lui ont posé les mains. The bad odor did not stop. La mauvaise odeur n'a pas cessé. He could not go out anymore. Il ne pouvait plus sortir. The wife abandoned him. La femme, sa femme l'a abandonné. The children abandoned him. Les enfants l'ont abandonné. Because nobody could stand the smell. Parce que l'odeur est terrible. Personne ne peut supporter cela. So the man had to lock himself up in the room. Et l'homme s'est enfermé dans la chambre. And he said, "Let me just die." Et dit, OK, je vais attendre ici et mourir. Let me just die. Que je vais seulement mourir. And he was there. Et il était là. Waiting for death to come. Et attendait la mort. One day. Et un jour. Something said to him. Quelque chose lui a dit. Why don't you declare a praise warfare? Et pourquoi ne pas déclarer un combat de louange? It is true you are smelling. C'est vrai que tu sens mauvais. But you are still alive. Mais tu es encore vivant. Which means you, there is hope for you. Ce qui veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Praise God. Loue Dieu. Worship God. Adore Dieu. And it started. Et il a commencé. It started. Il a commencé. Every day. Chaque jour. He was not asking God for anything. Il ne demandait rien à Dieu. He was not praying any prayer. Il ne faisait pas de prière. He was not binding any devil. Et il ne liait pas le diable. He was just praising God. Il n'a fait que louer Dieu. Day one. Le premier jour. Day two. Le deuxième jour. Day three. Le troisième jour. Day four. Le quatrième jour. Day five. Le cinquième jour. 20 days. Le vingtième jour. 25. Le vingt-cinquième jour. He did it for 1 month. Il a fait cela pendant un mois. By the last day of the month. Et le dernier jour du mois. Because nobody visited him anymore. Personne ne le visite. Somebody knocked at his door. Quelqu'un a tapé à la porte. In the middle of the dancing and the jumping and the singing. Pendant qu'il dansait, il sautait et il chantait. By the time he opened the door. Et quand il a ouvert la porte. Jesus himself walked into the room. Jésus lui-même est entré dans la chambre. He saw Jesus. Il a vu Jésus physiquement. And Jesus said, "My son." Et Jésus lui a dit, mon I fils. I have come to heal you. Je suis venu pour te guérir. But before I heal you. Mais avant de te guérir. Let me tell you what happened. Je vais te dire ce qui s'est passé. And the Lord said, "Look." Le Seigneur lui a dit, regarde. And the man saw a film show. Et l'homme a regardé un film. He saw covens. Il a vu des couvents. And among those witches and wizards, et parmi ces sorciers et ces sorcières, he saw a coffin. Il a vu un cercueil. And he saw someone that looked exactly like him. Et il a vu quelqu'un qui lui ressemblait. Inside that coffin. Dans le cercueil. And Jesus said, et Jésus a dit, "You have been buried." Que tu as été enterré in the coven of darkness. Dans le couvent des ténèbres. But I am bringing you out. Mais je te fais sortir. And in that vision, et dans cette vision, Jesus commanded the man inside the coffin to come out. Jésus a ordonné à l'homme qui se trouvait dans le cercueil de sortir. And the man came out. Et l'homme sorta. Immediately he came out of that coffin. Et dès qu'il est sorti, the bad odor, la mauvaise odeur, immédiatement, stopped, a cessé. There is nothing. Il y a rien that you have been looking for que vous recherchez since the beginning of this year depuis le commencement de cette année that you cannot have now que vous ne pouvez pas avoir maintenant. It depends on you. Cela dépend de vous. I would like you to rise up now. Et j'aimerais que vous vous mettez debout maintenant. Lift up your two hands to the Lord. Veuillez lever les deux mains vers le Seigneur. And say, "You are the Lord." Tu es l'Éternel. Let your name be que ton nom glorified. Soit glorifié. You are the Lord. You are the Lord. Let your name be glorified. I give you glory. Je te donne la gloire. And honor. Et l'honneur. You are the Lord. You are the Lord. Let your name be glorified. Your name be glorified. You are the Lord.
sing it louder. Sing it louder now. Chantez fort. You are the Lord. Experience a notable change in your life. Pour pouvoir expérimenter un changement remarquable dans votre vie, a little bit of madness is necessary. Un tout petit peu de folie est nécessaire. If you are going to praise God the way you have been doing it normally, et si vous allez louer Dieu la manière dont vous le faites normalement, don't expect the touch of heaven. N'espérez pas la touche du ciel. When David began to dance. Lorsque David a commencé à danser, those that saw him, they thought that he was mad. Et ceux qui l'ont vu pensaient qu'il était fou. So why are you dancing like this? Et pourquoi est-ce que tu danses comme cela? There is no decency in your dance. Et il n'y a pas de manière dans ta danse. You are a king. Tu es roi. You should dance gently. Tu devais danser step doucement. By step. Pas à pas. It should be orderly. Et ça doit être ordonné. Dance normally. Danse normalement. But David refused. Mais David a refusé. Let people see you. Que les gens vous voient. And see you as if you are watching a film show. Comme si vous êtes en train de regarder un film. Dance, sing, clap. Danser, chanter, taper les mains, sauter. Like a mad prophet. Comme un prophète fou. Your deliverance. Votre délivrance. Your healing. Votre guérison. Your breakthrough. Votre percée. Is in it. En dépend. If you are watching that somebody is looking at you. Et si vous remarquez que quelqu'un vous regarde. Then you have not started. Et que vous n'avez pas encore commencé. Ah, let them watch you. Qui vous regarde? Let them watch you. Qui vous regarde? Because by the time you come forward to give your testimony, parce qu'au moment où vous allez venir devant pour donner votre témoignage, they will also dance with you. Ils vont aussi danser avec vous. Amen. Amen. Forget about who you are. Oubliez qui vous êtes. Forget about where you are.
oubliez où vous êtes. It is between you and your God. C'est entre vous et votre Dieu. You are before the Jehovah. Vous êtes devant Jéhovah. And he wants to bless you. Et il veut vous bénir. Dance and let his head swell up. Et dansez pour lui faire. Even if you don't understand what they are saying. Et même si ce que les gens disent. Let your dancing. Que votre danse. And your dance steps. Et que vos pas de danse. Tells God that look, God, I am part of it. Dites à Dieu, Seigneur, me voici. I am not a spectator. Je ne suis pas spectateur. Let somebody shout a big hallelujah. Que quelqu'un crie un grand hallelujah. Let somebody shout a big hallelujah. Que quelqu'un crie hallelujah. If you came with your children here, si vous êtes venu avec vos enfants ici, wake them up. Réveillez-les. They are asleep. Et qui dorment, réveillez-les. Qui danse. Let them clap their hands. Qu'ils tapent les mains. Wake them up, wake them up. Réveillez-les, réveillez-les. If you have a baby, si vous avez un bébé, dance with the baby and let the baby too dance. Dansez avec le bébé, que le bébé aussi danse. It says, let everything that has breath. Que tout ce qui respire. Nobody should be left out. Personne ne doit être oublié. Even if you don't know how to dance. Même si vous ne savez pas danser. Shake your body. Remuez le corps. If you don't know how to shake your body. Et si vous ne savez pas comment remuer le corps. Jump. Sauter. If you don't know how to jump, si vous ne savez pas sauter, scream. Crier. If you don't know how to scream, si vous ne savez pas crier, clap your hand. Tapez les mains. If you don't want to clap your hand, et si vous ne savez pas taper les mains, be shaking your head. Seulement remuer la tête. Don't stand like a soldier. Ne vous mettez pas droit comme un piqué. Gentility is not allowed. La douceur n'est pas permise ici. Behave like a mad prophet. Et comportez-vous comme un prophète fou. Are you ready now? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready now? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready now? Est-ce que vous êtes prêt maintenant? Those of us at the back there. Ceux qui sont derrière. Those of us at the back there. Ceux qui sont derrière là. I want you to show God. J'aimerais que vous montrez à Dieu. That the people that are in the front. Que les gens qui sont devant. You know how to beat them in dancing. Vous savez comment concurrencer avec eux dans la danse. Shout a big hallelujah. Criez alléluia. Let's go. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Génération, génération. Yeah. Alléluia. Oh. Oh, yeah. Il est le prince de paix. Alléluia. Celui qui où personne ne peut fermer. Alléluia. Celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Celui qui a le dernier mot. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Elohim, El Rapha, El Sipa, Jésus-Christ, et tout le monde crie qu'il est Dieu. Jésus,
Jésus. Victoire. Au nom de Jésus. Victoire. Nous avons gagné. Victoire. Victoire, victoire. Victoire. Partout je vais. Victoire. J'ai victoire. Victoire. Victoire, victoire. Victoire. Au nom de Jésus. Victoire. 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 J'ai victoire. Victoire, victoire. Jésus au Seigneur. Aïe, aïe. Alléluia. Jésus au Seigneur. Aïe, aïe. Au nom de Jésus. Victoire. J'ai victoire. 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 Partout tu vas. J'ai victoire. Jésus au Seigneur. Aïe. Aïe, 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 a
impossibilité devient possible aujourd'hui. Alléluia. Every impossibility will be possible today. Impossible sera possible. 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 Impossible déjà possible. Impossible sera possible. Impossible sera possible. Impossible sera possible. Impossible devient possible. Impossible sera possible. Impossible sera possible. Impossible sera possible. Impossible devient possible. Impossible sera possible. Impossible devient possible. Impossible sera possible. Impossible sera possible. Impossible devient possible. Impossible sera possible. Jéhovah est capable de lever, oui, la capable, impossible sera possible. Notre Dieu, Jéhovah, est capable de lever, oui, la capable, impossible sera possible. Impossible devient possible. Impossible sera possible. Impossible devient possible. Impossible sera possible. Dieu, Jéhovah, est capable de lever. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Alléluia. Quand la tempête se lèvera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Si ton mari t'abandonne, alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi, alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, alléluia. Tu as un Dieu, alléluia. Avant-le, alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticher? Oh, alléluia. Ton Dieu est où? Alléluia. Avant-le, alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louons-le, alléluia. Louons-le, alléluia. Si tu as besoin d'un enfant, alléluia. À 90 ans, Sarah a conçu, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, alléluia. Tu as un Dieu, alléluia. Invoque-le, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, alléluia. Ton Dieu est oui. Alléluia. Invoque-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi, je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu dois revoir mon statut. Bien aimé, chante alléluia. Allé, allé. Bien aimé, chante alléluia. Allé, allé, alléluia. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Ah.
Hallelujah. Wave your handkerchief and shout hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Igbokwenu. 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 Yorubokwenu. Awusokwenu. Igbokwenu. Kalabakwenu. Kwenu. Hey. I'm going to say this again. Because I don't think you hear me very well. Ondokwenu. Urobokwenu. Awusokwenu. Japan kwenu. English kwenu. Britain kwenu. Ekwenu. Shout hallelujah. It is wonderful to be in the presence of God, isn't it? I can see you're all smiling because today is that day. You know when they say the D-Day? Today is the day. All those blessings that have been accumulated over the months from January up till now, the God of 11th hour, that God of suddenly, the one who never fell, that God who never late, the unchangeable changer, the unmovable mover, the one who says it. When he opened the womb, who can say no? When he says you're rich, who can tell you you're poor? Tell me, do you believe in that God? He's an awesome God. If you believe in him, shout hallelujah. Your hands, your hands. Yes, Lanka Dede, Ubangiji Junior, my Cheto Junior, I tell her, Banka Dede, Banka Dede, Banka Dede, Banka Dede, yes, Banka Dede. Yes, Banka Dede, Ubangiji Junior, my Chacha Junior, my Kamayada Banka, Banka Dede, Yesuna, 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 Yesuna,
You're not dancing.